Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay découverte sur le mode échafouré de la saison 4 de Modern Warfare Warzone. Aujourd'hui je suis accompagné de Xiang Fury et on va se faire une game 100% découverte. Donc ça veut dire, je rappelle le concept, pas de montage, pas de cut, c'est vraiment une game de 0 à 100% pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc c'est un mode qui est sorti aujourd'hui, le 11 juin 2020, saison 4. Le but, on est 52 contre 52, c'est d'arriver à 250 kills. Et c'est une sorte de team deathmatch, mais en version géant en fait sur la map de la map Warzone. Donc, selon les parties que vous allez lancer, vous allez jouer sur des zones de la map différentes. Donc ça c'est super. Donc là on est sur Storage. Tout à l'heure on était dans la Pampa. Donc c'est un vrai merdier. Hein. Ah, j'en ai un. C'est pas mal. Pour s'entraîner, pour tester des nouvelles armes. Ah, je suis... Ok, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien de tout ça. J'ai plus de balles, moi, bientôt. On peut ramasser les balles des autres, les munitions. Ah putain, on peut pas. Il me reste. Bon. J'avais plus de balles. On peut pas ramasser les armes, d'accord. C'est normal. Là, c'est carrément. Donc, c'est très bien pour ceux qui veulent sniper aussi. Donc, 52 contre 52. Vraiment pour faire du kill, c'est parfait. Hein. Il y a rien de mieux. Ah ouais, d'accord. Donc on peut prendre sur les côtés. C'est vraiment un défouloir. Hein. C'est une sorte de. Comme si on nous foutait. C'est comme si on nous foutait en 10 contre 10 sur du shipment. C'est exactement pareil. C'est trop bien. C'est, après, faut voir en termes d'expérience. Tout à l'heure, on a fait une partie. On n'a pas bien, vraiment bien joué. Et en termes d'expérience, on a monté même pas de 20% sur un niveau du season pass. J'ai envie de m'avoir depuis le début, hein. Ah oui, Warpon. Ah oui, d'accord. Lui, lance-roquette, il a dit non. Il a une assurance sur les roquettes. Donc là, effectivement, sur Storage, c'est un assez gros merdier. On va essayer de faire un peu plus de kills, quand même. On va essayer de passer le premier. Je suis pas très fort en snipe, donc je comprends pas. Allez, allez, plus vite, plus vite. Premier, il y a pas bien qu'il me lâche. C'est par là. Comment il est très comme là-bas. Voilà, je l'ai tué. Ouais, de toute façon, une fois que t'as la bonne ligne, derrière. Hein. Derrière, ouais, d'accord. Bien sûr, il va falloir qu'il se refine tout seul, je pense, hein, parce que là, les spawn kills, les machins, les trucs. Ah, lui, depuis tout à l'heure, il est là, lui, à mon avis, ça va être le premier de chez eux. Disons que ça va se. 260? Ah, c'est 400 maintenant. Donc, tout à l'heure, c'était 250 à la première partie, maintenant c'est 400. D'accord, ok. Ouais, 400 c'est mieux. Je suis pas rapide de 250. Ah, c'est mal, c'est des loges. Oui, là, c'est là, il est là. Sacré merde, hein. C'est du shipment ce géant en fait. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Ah.
Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est un défouloir, hein, clairement, on va passer. Ça plaît beaucoup à la communauté, de toute façon j'ai l'impression déjà à l'époque où ils avaient sorti Shipment, ça avait énormément plu. C'est marrant un peu. Ça permet de monter vite, ça fait une compétence peut-être. Parce qu'on a snipé finalement aussi. Parce qu'on a snipé, c'est pas mal. Quand tu arrives à se passer certaines lignes. Skill, c'est bon, c'est terminé, défaite, ok, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est en termes d'expérience ce qu'ils vont nous donner, voir un peu si on monte un peu de niveau, etc. Là, globalement, vu que le roi vient d'arriver, ouais, je suis niveau 56, tout le monde à peu près niveau 50, un peu de temps, ça fait plus qu'il y a des mecs niveau 60, il faut encore des mecs niveau 55, ce qui est normal, vu qu'ils t'ont donné que c'est sorti il y a 2 heures, le season pass. En termes d'expérience, on va voir ça un peu. Score 1975, assistance 2, mort 12, ratio 1,25, ça on s'en fout. Ah, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc c'est vraiment plus un défouloir qu'autre chose. Tac, donc on va se quitter sur cela. C'était vraiment une vidéo rapide de découverte gameplay sur ce mode échafouré en équipe. Donc je pense qu'ils vont le développer plus tard, ou alors peut-être que c'est un mode temporaire, qu'ils vont changer, etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentaire, pouce bleu, important pour le soutien de la chaîne, messieurs, dames. Et merci encore pour tout. À une prochaine. Banzai.